The next speaker on the list is Mr. Gilbert Mitterrand. He is the president of France Liberté Foundation, Daniel Mitterrand, who is also co-hosting this side event together with us in Women's Human Rights International Association, MRAP, and the Nonviolent Radical Party. Mr. Mitterrand, the floor is yours. Mesdames et messieurs et chers amis, vous l'avez dit, la Fondation France Liberté Daniel Mitterrand entend s'associer avec les cinq autres ONG qui organisent cet événement pour informer, certes, pour sensibiliser, c'est le sens de cette journée, mais aussi pour dénoncer des situations relatives aux droits de l'homme qui requièrent l'attention du Conseil et de l'ONU. De même, France Liberté entend aussi plaider le droit à la vérité pour les familles tragiquement frappées, que le manque de coopération manifeste des autorités iraniennes avec les instances internationales diffère délibérément. Ceci est à dénoncer. Mais pourquoi aujourd'hui? Déjà, notre attention aurait pu être attirée et mobilisée il y a 15 ans, lorsque, en 2001, le Sunday Telegraph mentionnait déjà un décret, la fatwa, de 1988, qui avait coûté la vie à 30 000 personnes. On le savait déjà en 2001. Ce chiffre a été confirmé en 2004. C'était un témoin sous un pseudonyme, un témoin de ces massacres qui en parlait dans un journal canadien. Mais encore en 2005, un rapport de Human Rights Watch fait référence à ces événements et évoque déjà, à l'époque, la qualification de crime contre l'humanité, 2005. Ou le rapport de Geoffrey Robertson, qui présidait la Cour spéciale de l'ONU pour la Sierra Leone, qui, lui, qualifiait clairement ces tueries de crime contre l'humanité, mais aussi qui peuvent être classées dans le vocable « génocide ». En septembre 2013, la Fédération internationale des droits humains, la FIDH, qualifiait à son tour les événements de 1988 d'exécutions extrajudiciaires et arbitraires et de crimes contre l'humanité. Malgré cela, le massacre et le génocide de 1988 se poursuivent encore de nos jours. Cela a été rappelé. En témoigne l'exécution de 25 sunnites le 2 août dernier. Que faut-il attendre encore? Davantage de preuves? Davantage de morts? Qui, si je le comprends bien, ne sont pas des preuves. Et aujourd'hui, ce side event revêt une importance primordiale, car depuis ce 9 août dernier, 2016, un document confidentiel, vous le savez, enregistré sur cassette audio, d'une réunion tenue le 15 août 1988 entre l'ayatollah Hossein Ali Naïri, des membres du ministère de la Justice et des membres du renseignement iranien, a été rendu public après 28 années de secret. D'abord, ce document confirme officiellement les faits, c'est-à-dire les exécutions qui ont débuté en Iran dès 1981. Et cette confirmation vient de la voix même de leurs auteurs.
Et ce document établit aussi au grand jour l'implication personnelle de responsables de l'époque qui, aujourd'hui, exercent de hautes responsabilités dans l'appareil d'État en Iran, notamment dans le domaine judiciaire. Aujourd'hui, il en est ainsi de l'actuel ministre de la Justice, qui, interrogé d'ailleurs sur ces faits, assume sa fierté d'avoir exécuté un commandement divin contre les ennemis de Dieu. Cela rejoint une vidéo antérieure envoyée clandestinement à Ban Ki-moon de l'intérieur même de la prison par Reza Malek, ancien haut responsable du ministère du renseignement, et qui révélait qu'en quelques jours, il chiffrait à 33 700 personnes qui ont été exécutées pendant les massacres de 1988. Alors il faut sans doute dire qu'il est urgent de considérer tous ces éléments comme étant ceux qui permettent aujourd'hui, peut-être, j'espère, nous le souhaitons, de mettre un terme à cette attente insupportable. Selon les conventions internationales, on pourrait encore attendre, parce que je vous rappelle qu'il n'y a pas de délai d'imprescriptibilité pour les crimes contre l'humanité. Mais ce qui est un avantage des délais d'imprescriptibilité ne doit pas être un inconvénient, c'est-à-dire un motif, justement, comme c'est imprescriptible sans délai, qu'on a le temps encore devant nous. Non, il est urgent. Il est urgent et de la responsabilité de la communauté internationale, dont le Conseil des droits humains et le Conseil de sécurité, de se charger de ce dossier et de déférer leurs auteurs devant la justice. Il y a urgence, on ne le répétera jamais assez. Et en conclusion, dans un communiqué commun avec les 5 organisations non gouvernementales, nous recommandons, le terme est diplomatique, que le haut commissaire pour les droits humains de l'ONU, le Conseil des droits humains de l'ONU et l'Assemblée générale de l'ONU mettent ce massacre sur leur ordre du jour et, dans une première étape, établissent une commission internationale chargée d'enquêter sur ce crime pour présenter ce dossier au Conseil de sécurité de l'ONU. Et nous exhortons le Conseil de sécurité de l'ONU d'établir un tribunal international devant lequel seront déférés les auteurs de ces crimes pour y être jugés. Nous savons le temps diplomatique long, nous savons le temps judiciaire parfois désespérant, mais nous mesurons le temps de la souffrance pour ces familles et ce peuple, et il est de notre devoir, de notre responsabilité collective, que de demander à être entendu cette année, en 2016, après tous ces rappels des faits, et avec aujourd'hui les éléments tangibles qui sont non seulement, je le répète, avoués, mais revendiqués par leurs auteurs. Merci à vous.